Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle balade sur les sentiers après avoir passé un mois à l'affût et à filmer le brame du cerf. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle randonnée et je suis parti depuis les granges de Lurgue au-dessus de Hollon et je vais essayer de réaliser une boucle en direction du Pichalet. Voilà, donc normalement la météo devrait tenir, il ne devrait pas pleuvoir. J'espère que les sommets ne vont pas être accrochés. Pour le moment, non. Donc c'est parti pour cette nouvelle balade. Allez, générique! Bon, mais l'entrée, pas le temps de s'échauffer, ça monte sévère. Hein. À partir d'ici, on rentre dans la réserve naturelle régionale d'Hollon. Donc il y a une réglementation, les chiens doivent être tenus en laisse, il ne faut pas sortir des sentiers, feu interdit, prélèvement interdit, survol, parapente, drone, pas de bruit, pas de vélo, pas de moto. On arrive à la petite cabane de Coussy-Tirou, je crois, c'est le nom. Ah, je viens de sortir de la forêt en longeant le petit ruisseau du Rabat. Et là, j'arrive à une petite cabane. La cabane de Coussy-Tirou. Je sais pas si elle est ouverte, on va aller voir ça.
calcaire, mais ça peut servir d'abri par mauvais temps. Voilà, on va continuer à monter dans ce vallon. On va aller rejoindre une autre cabane qui doit être là-bas derrière, la cabane du cap de la cabane du cap détesté. Et en face de nous, là, ici, on a la tour de la Weiss ou la Rice. Je vous mettrai ça en description tout à l'heure. Belle cabane, que la cabane du cap détesté, cabane de berger sûrement, doit être fermée. Belle cabane, hein. Cabane pastorale. Je pense pas qu'elle soit ouverte. On va aller voir, mais si c'est une cabane pastorale, je pense qu'elle est fermée. Belle cabane. Au-dessus de nous passe un vautour. Ici. Le plat d'Adé, juste au fond là. Brouillard qui commence à arriver.
Donc je vais essayer de me dépêcher parce que là, faut que je fasse tout ça pour aller à ce col en face là-bas. J'espère que je vais pas être pris dans la nasse. On ira bien. Allez, on continue. Chalet juste devant nous. Je sais pas si je vais avoir le temps d'y monter ou s'il va être dans la brume. Je vais voir quand je serai au pied si je peux le faire ou pas. Sinon on redescendra par l'autre côté directement. Voilà, j'arrive de tout là-bas au fond, ici. Donc on a fait tout le travers, là. Dans les pelades. Et là, on attaque l'ascension finale du Pichalet. Allez, c'est parti. Belle vue sur les lacs du Bastan. Tout au fond, on a le lac du Bastanais qui est dans le creux là. Et encore tout au fond, on l'aperçoit à peine sous cette crête là, le lac de Port-Bieille. Le pic du Bastan face à nous. La Nouvielle est tout embrumée. Le sommet de Montpellat devant nous. Ici. Hop. Allez, le sommet est presque arrivé.
va amorcer tranquillement la descente vers le col du Bastan. Petite vue sur la descente du Pichalet, bien raide. On va finir le casse à la croûte. Et là, on va repartir. On va faire la descente. Ici on a le lac de Portaras, complètement sec. Alors, allez, on poursuit la descente. Arrivé à une belle cabane. Cabane de Loloy. On va voir dedans. Changez-moi.
C'est un enclos pour les animaux. Donc on voit bien le couloir qui va mener à l'enclos. Voilà. Et voici l'enclos. Avec un gros rocher. Voilà, les animaux passent en général la nuit ici. Donc après on referme là. Pour pas qu'ils partent. Et voilà. Voilà, on poursuit la descente. On est presque, enfin presque. On est presque arrivé à la fin. Le parking où se trouve le véhicule est là-bas. Donc c'est la fin de la rando du jour, pratiquement. Enfin, il reste encore un petit bout. Allez, on continue. Bien voilà, c'est sur ces images aux granges de l'Urgue que l'on va se quitter. Donc aujourd'hui une belle grosse boucle, je pense que je dois être autour des 14 km par là, voire plus, avec 1003 je pense de dénivelé positif. Voilà, une belle journée, donc avec un temps qui s'est maintenu malgré un vent assez fort. J'étais un peu sceptique quand je suis arrivé sur le col de Portée parce que sur toutes les crêtes ça commençait à bien s'assombrir et il commençait à neiger. Je voyais qu'il y avait la neige qui tombait sur les hauts sommets, les 3000 mètres. Mais ça s'est maintenu, j'ai pu faire la boucle que je voulais faire et c'est très bien. Donc j'espère que toutes ces images vous ont plu, que la balade vous a plu aussi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, bye!